Aïe. Balayage. Haut en bas. Haut en bas. Haut et bas. Ok. En faisant. Et en l'autre sens, on fait encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, en déplacement, 1 et 2. 1 et 2. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a les jambes droites en avant. Jambes droites en avant. On recule un grand pas avec la jambe droite. Mon corps est en avant. Et pas comme ça. Gardez le penche en avant. Et le gauche, on fait petit pas. Un petit pas. Et droite, il fait balayage. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça, avec la jambe droite là. Hein. On refait encore une fois. La jambe droite, grand pas en arrière. On tend les bras. Tend les bras. Bon. On recule en pied gauche. Retire. Retire. Et redresser. Lever. Et faucher. C'est bon. Un grand pas. En petit, on pousse. Avec la jambe droite là. Hein. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À gauche. De l'autre côté. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous montre comment ça fonctionne. Hein, fonctionne comme ça, vous voyez mieux. Droitier, droitier. Droitier, droitier, comme ça. Hein, d'accord. Et je. Au moment où l'autre il vient vers moi, comme ça, je empêche. Voilà, il me pousse. Tu me pousses là, comme ça. Voilà, comme ça. D'accord. Donc au moment où on fait kumikata, on est un peu voilà, comme ça. Les deux sont penchés en avant. Ou des fois arrive, deux sont comme ça en arrière. Ça arrive des deux côtés. Ou un qui tire, l'autre il suit comme ça. Et bon, comme on a vu hier. Et maintenant c'est les deux sont comme ça. Ah, d'accord. Et lui il gagne. Alors il va avancer. Alors il pousse comme ça. Alors je dis non. D'accord. Maintenant il va avancer son pied droite après. Après gauche. Après gauche. Après gauche. Voilà comme ça. Et je vais relâcher. Relâcher. Et en même temps, je tire en bas. Et au moment où l'autre il avance, je prépare avec mon pied gauche pour lever. Et on pousse. Alors, c'est voilà l'idée. Alors, si je recule trop, alors on est comme ça. Et comme ça. Et puis après, je recule trop, je suis trop loin. Donc, je fais seulement balayage. Je ne soulève pas. On peut le faire aussi, hein. Ça marche aussi. On est comme ça. Sans l'autre, il ne sait pas. Hop, je chope les pieds, ça marche. Mais évidemment, ça ne marche plus. Donc, il faut certaines différentes manières d'exécuter Kouti.
en plus, ça, ça donne un bon travail de pain. De lever. Se lever, lever, ça aussi balayage. Un balayage latéral, comme au coulisse balai. On avait hier avec Jen aussi. Hein, hop, de redresser votre corps. Alors, on est comme ça, droitier, droitier. Je recule, l'autre il met le poids en avant. Je recule, empêchant que l'autre il avance. Et je relâche. Et je monte. Et... Alors, premier temps, je gagne le place, parce que la distance, éloigné, hop, je colle. Deuxième temps, on est capable de peut-être lever le partenaire. Alors, un peu comme ça là, comme il... D'accord, ok, ok, il tombe vers moi, hein. C'est mauvais. Parce que si c'est le cas, je lui ai fait tomber en avant. Hein. Alors, au moment où je fais tomber en avant, lui, il va peut-être réagir. Fausser une aiguille. Si je pousse le partenaire et puis il veut encore continuer à venir, c'est qu'à tourner. Et bon, si le cas, il va résister. Outil. C'est bon? Alors pour ça, il faudrait quand même maîtriser les jambes d'abord. En fait, ça. Et bon. Pas trop grand pas, deuxième pas. C'est bon? Et pensez à lever. Allez-y, faites. L'idée, c'est. Je vais vers lui. Je vais vers lui, sans que lui il bouge. Tu restes là. Sans que lui il bouge. Il reste sur place là. C'est pas que je tire le partenaire. Ouf, pardon. Et quand je recule, je pousse pas mon partenaire, mais je pousse pour aller reculer tout de suite. Je accélère, accélère, aller plus vite pendant que l'autre il reste sur place. Je dis, j'utilise son corps pour le reculer, reculer. Puis après, il y aura certainement une réaction de la part du partenaire si on fait préparation. D'accord. Donc c'est... Peu. Peu. Pousse mon partenaire. Mais reculez. Hop. Et ce mouvement. Hop. Je fais place. Fais la place. Bon. Hein? Fais place. Et bon, le pied. Ne faites pas, faites bien attention, poussez et vous mettez le corps tourne en arrière. Après, on dépasse. Après, ça vient trop loin. Gardez votre corps en avant. Alors, là, je recule pas trop. Je suis prêt à partir en avant. Allez. Allez-y. Vous faites tout seul comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, allez-y. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile, il faudrait faire tout, toujours pour chercher les sensations. Maintenant la sensation est ça, ça. Comme ça, parce que je travaille pour préparation de un côté. Comme le tennis, boum. Je ne peux pas faire tennis comme ça. Hein. Ça c'est débutant là. Pour l'instant certains sont débutants. Parce qu'on ne sent pas le mouvement. C'est pas toujours facile. Hein. Il faudrait faire ça. Ça. Dans le mouvement, comme ça, parce qu'on a fait pousser, tirer, pousser. Dans le mouvement de pousser et tirer, il y aura un décalage. Puff, pan. Puff, pan. La hanche qui va travailler. D'accord, ça fait ça et pan. Donc si je le fais seulement ça, c'est moins fort. Et comme ça, je prépare. Je prépare et bon. Hein? Si je gifle un garçon,
Là, si je fais ça, c'est pas beaucoup. Si je fais ça, et bam, ça fait la tête, il va partir loin. C'est vraiment de préparation. Comme le, vous faites, vous avez déjà fait jiu-jitsu, non? Atemi, comme karaté. Là, si je fais ça, quelqu'un qui ne connaît pas, non? Seulement les bras. Quand tu es bien assis, comme ça, boum, ça fait avec le mouvement, ça fait le bruit, qui fait les jolis bruits, non? Parce qu'il dit, oh, il a tapé fort. Finalement, c'est pas taper fort, simplement sec, boum, la vitesse. C'est ça, hein? C'est temps. Ou je prends quelqu'un, tu prends comme ça, je prends comme ça, et je tire mon partenaire. Et puis après, bam, ça fait encore plus. Donc ce travail de gauche et droite est important. Pas seulement paf, c'est décalé, balance. D'accord, ok. Donc ce travail, justement, il faut le faire le bas en haut et en avant en arrière. Comme ça. Maintenant, ce bras dirigé par les bassins. Et paf. Ça se voit, ça suit, mais décalé un peu. C'est bien l'élève de Levenier qui est là. Bien voir Stéphane. Monsieur Levenier, il a expliqué. Comme ça, mais c'est pas lui que j'ai entendu, c'est monsieur Boulot. En principe de judo, c'est si on veut faire tomber en arrière, je tire pour faire réagir ton en arrière. Hein? Puis le monsieur Levenier a expliqué ce phénomène là. Maintenant, tu me tiens mes poignets. Comme ça, on est les deux, pas trop. Comme ça, tire en arrière. Maintenant, je tire sur un côté. Là, d'accord. Et je relâche. Boum. Alors lui, normalement, il doit avoir tiré en même temps un côté, donc il est déséquilibré un côté, en même temps, il réagit en arrière. Et quand je lâche, il va partir par là, et quand je tire, je pousse le partenaire. Quand il arrive, normalement, ça fonctionne. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Ce phénomène de déséquilibre partenaire par là, je prépare avec la hanche, puis après l'autre, il veut absolument changer de l'autre côté, bam, ça part. Vous voyez là? Et parti de là, on le fait, bam, sans attendre la pad, ok, très vite. Normalement, il va réagir. Alors, c'est pour ça qu'on fait répéter jusqu'à vous sentiez d'abord votre corps, puis après, on va tester avec les partenaires. Hein. Cette fois-ci, vous faites ça. Alors, mouvement Tsugihashi, là, comme ça. Tsugihashi. Et maintenant, je fais un petit saut. Aimihashi, mais petit saut. Et Tsugihashi. On déplace souvent comme ça, hein. Un judo. Paf. D'accord. Alors, on essaie d'un peu sauter avec Tsugihashi. En déplacement grand, en déplacement ok, allez, avec les déplacements sautis, on fait encore une fois tout seul, après on fait sautail circulaire Kotigari, après on fait déplacer le partenaire, pas surprise, point, d'accord. De façon, toujours le même rythme et tout à coup accélère. Ouais. Mais le rythme est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hein? Je fais. Souvent on arrive en déplacement comme ça, hein? Hein? Ce moment-là,
petit par déplacement, changement d'angle ou à distance, ce moment-là, et un tsugihashi. Maintenant, je le position droitier et on le pousse. Et à ta coach. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stéphane. Comme ça, hein. On est droitier, droitier, droitier. Déplacement toujours en même rythme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et accélération. Ok. C'est pas grand pas. Grand pas, grand pas. L'autre. Pas à l'envers aujourd'hui. Et en tirant ton pied gauche, tu tires le bras. Et allez vers lui. Voilà, comme ça, t'es collé. Parce qu'on éloigne et en avançant, tu colles. Et ça. Ah, t'as vu ton pied gauche, c'est trop loin. Question a été posée, certains ils posent des questions, c'est très bien. Le pied, comment on pose? Je recule tout droit. Ce pied-là, est-ce que je suis comme ça ou je suis comme ça? Je ne sais pas comment vous avez appris le coaching. Premier coaching, j'ai appris, c'est ça. Avec le partenaire. Hein. Là. Normalement, je recule. Je recule jusqu'à la ligne. Et j'avance un grand pas. Et il vient. Il vient jusqu'à là. Je ne fais pas comme ça, j'ai appris et je pars en avant. Déplacement normal et je ne vais pas jusqu'à là. Je, au lieu de faire un pas, je fais demi et l'autre il part tout de suite. C'est comme ça qu'on a pris. Alors les pieds, pourquoi ça tourne? Parce que je peux aller plus loin le fauchage. Si je ne plie pas, je ne tourne pas les pieds, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Plus encore, je plie la jambe, aucune chance. Je dois faire comme ça. Et des fois je fauche ma jambe. Suffit d'avoir juste tourné, ça fait, ça part. C'est la raison. Gagner le temps et gagner la grandeur de balayage, fauchage. C'est bon? Pour ça fait le pied, ça fait ça. Ah, bon? Oui? Des fois on fait pied droit. Pourquoi? Parce que le partenaire, il est comme ça, hein? Gaucher. Quand c'est gaucher, les pieds là, mon pied tout droit, ça fait juste bon. Si je fais comme ça, ben, je suis derrière. Ça dépend de comment partenaire, si tu contre droitier ou gaucher. Bien, maintenant, ok, ça c'est ça, hein. Ça fait que, comme ça. Là. Maintenant, je tombe en avant. Tombe en avant, donc je fais pour en avant. Le partenaire, ça, le tori. Il m'empêche. Ça fait lâche. Alors, ça fait lâche. Alors il faudrait faire absolument où qu'elle doit faire ce mouvement-là. Hein? Où qu'elle doit faire ce mouvement-là. Hier avec Jane, c'était. Hein? Avec les vagues. Vous vous souvenez? Ça, ça a été le commerce. Vous savez, c'est là. Et maintenant, c'est le partenaire.
le tori, pour faire ce mouvement-là, aussi vague. C'est bon, et ok, ça fait comme ça. Hop. Ok, ça doit faire comme ça. Bon, pour sentir mieux. Stéphane? Donc on est les deux comme ça, pied droit en avant, lui il tombe en avant, voilà comme ça. Je maintiens, quand je lâche, l'autre il tombe normalement. Hop. Il est mauvais hooké, hein. Je viens d'expliquer, comment tu dois faire hein? Comme ça. Tu n'as pas vu? Encore une fois, il a besoin. Ceci, comme ça, hein, ok, hein, je tombe, et là, tori, il lâche. Ben lui, il a fait comme ça, là. Ou... Pum. Le droitier quand il déplace, il ne reste pas comme ça, hein. Après, il fait encore un pas pour être droitier. Alors, si je me déplace comme ça, et il me fait tirer comme ça, je dis hop, je retiens. Je ne reste pas cette position là. Hein? C'est pas à l'aise là. Fumikata droite, pied gauche en avant. C'est pas bien là. Je dois mettre position. Donc ça fait ou comme ça. Ou en arrière, ou en avant. Ou un peu à droite, un peu à gauche. Ça dépend comment. Hein? C'est bon? On a besoin de bon hooké, hein, pour sentir. Voilà. Donc c'est. Il vient comme ça et je suis collé. Je éloigne. Koutigari. Hop. Encore une fois. Hop. Une fois, côté, je fais ralenti. Pardon. Ralenti, j'étais rapide, hein. Ralenti, c'est slow motion. Langsam. Ok, allez-y, travaille là-dessus. C'est bon. Alors, on fait le déplacement, puis on fait l'année d'après. Hein. Vous allez faire un déplacement Tsugihashi et Ayumihashi. Donc, vous allez avec le partenaire. Bon, comment ça a marché? Comment ça a marché, hein, marché. On s'appelle Tsugihashi. Ah non, Ayumihashi. Hein, Ayumihashi. Glisser les pieds, et tout à coup, je veux marcher. Ayumihashi, hein, Ayumihashi. Ayumihashi, d'accord. Au moment où il met le poids à sa jambe droite, voilà, il est là et je rapproche. D'accord. Rapproche. Et Tsugihashi. Hop. Ok, pas facile. Je marche. Tout à coup, Tsugihashi. Hop. Hop. Marcher. Marcher. Ok, allez-y. Yakusho Geiko, 10 entrées chacun.